Donc ouais, je vais vous parler donc je vais vous parler de la suite de LK et je vais vous parler en fait du coup en fait d'un ensemble d'outils qui va nous aider, en tout cas qui on va essayer de s'en servir pour observer et mesurer nos systèmes, la vie de nos entreprises, nos applications, nos services, et dans un objectif d'amélioration. Et puisqu'on est là aujourd'hui, l'idée pour parler de logiciels libres, je vais vous parler d'outils qui sont libres pour ça, et de voir comment ils peuvent nous aider dans cet objectif-là. Il n'y a pas toutes les transitions, c'est pas grave. Nos activités, nos entreprises et nos projets, nos logiciels, en fait, sont inévitablement connectés donc à l'informatique et vont laisser des traces numériques, vont émettre des indicateurs, des événements, etc. Et on va chercher à les capter pour s'en servir. Et moi, donc on parle souvent de metrics, hein, dans le jargon un peu anglophone, j'essaie de ne pas trop jargonner, mais voilà, ça existe comme ça. Et moi, je les mets volontiers dans deux catégories. La première, c'est la catégorie des indicateurs métiers, qui sont ceux qui sont spécifiques à mon activité. Ça va être le nombre d'utilisateurs connectés, par exemple. Ça va être le nombre de commandes qu'il y a eu dans la journée. Ça va être le panier moyen si je fais du e-commerce. Ça va être l'état de mon stock, des choses comme ça qui sont vraiment spécifiques à mon activité. Ensuite, on a aussi des indicateurs plus orientés sur le système et sur les ressources, comme par exemple, si c'est pour un site web, le temps de chargement de mes pages. Est-ce que j'ai un certain taux d'échec de ma plateforme de paiement? En tout cas, quand est-ce que les utilisateurs arrêtent leur processus de commande? Quel est le temps de réponse de la base de données si j'ai des requêtes lentes? Ou bien la disponibilité de mes services, etc. Et on a déjà beaucoup de choses dans nos systèmes qui nous montrent ces indicateurs. On a, par exemple, le graphique, c'est un graphique de Mulin, qui est un outil libre qu'on a très volontiers sur nos serveurs, qui va disposer de plusieurs dizaines de sondes, de plugins pour remonter les indicateurs. Si on fait du web, on va utiliser des analytics, que ce soit Google ou d'autres, ou des variantes libres, qui sont des outils très très précis, mais uniquement focalisés sur le trafic et le comportement des utilisateurs. On va avoir un système de monitoring régulièrement. Là, par exemple, un bout d'écran de Nagios avec des alertes sur est-ce que j'ai un disque qui est bientôt plein ou carrément un serveur qui est arrêté, qui est en panne, des choses comme ça. On a évidemment nos bases de données qu'on va pouvoir aller interroger, consulter. Et puis, on a aussi souvent, dans une vue un peu plus, avec un peu plus de recul, on manipule des tableurs pour avoir une vision sur tout ça. Le problème, c'est que tout ça sont des sources donc hétérogènes de données. L'idée, c'est de réussir à connecter tout ça et de le centraliser et de pouvoir donner du sens à tout ça. Et donc là, ce que je vais m'appuyer sur un cas particulier, un cas qu'on a avec un de nos clients qui s'appelle Xeonis. On les accompagne sur la mise en œuvre de ça dans le contexte de leur application en ligne. Donc Xeonis, c'est une société qui est dans la région et qui propose des solutions en ligne pour les comptables et les experts comptables. Donc ce sont des applications. Et ils sont très présents sur le marché français, mais ils sont en forte croissance et présents de plus en plus sur le marché européen, donc qui s'implantent sur les particularités locales, hein, de la comptabilité pour leurs propres clients. Une vue très simplifiée, très schématisée de leur infrastructure, c'est donc plusieurs solutions différentes dans plusieurs territoires différents, et chacune de ces solutions va être sur une infrastructure qui lui est propre. Donc ça va être un ensemble un ou plusieurs hyperviseurs par infrastructure. Dans chaque hyperviseur, on va avoir plusieurs conteneurs, plusieurs machines virtuelles qui vont être très spécialisées pour des besoins. Et donc tout ça va dialoguer bien ensemble, éventuellement avec des séparations fortes pour des questions de sécurité ou d'engagement légal, des choses comme ça.
Et donc, ils ont une bonne vingtaine d'hyperviseurs et au total plus d'une centaine hein, à peu près de conteneurs ou de machines virtuelles. Ça fait donc beaucoup de données réparties à plusieurs endroits et donc avec, par exemple, effectivement, des indicateurs comme ceux de Munin, par exemple, qui vont remonter la courbe générale de la sollicitation du serveur web, mais avec une granularité assez grossière. Au mieux, on va avoir des données à 5 minutes, et plus on va dans le temps, après, plus ça va être moyenné, ça va être lissé, et on a des difficultés à aller dans l'historique, à aller creuser vraiment dans ces données-là. Et les autres données majeures, évidemment, ça va être des logs. Des logs qui vont se retrouver souvent dans les fichiers, mais pas que. Et des logs, et alors là, on en a dans tous les serveurs, sur tous les services, et il y en a vraiment beaucoup. Et donc là, par exemple, s'il y a un problème sur une application, au moment où elle fonctionne, après un déploiement, les développeurs doivent se connecter sur les machines, aller consulter les logs. Quand il y a plusieurs frontaux web, aller regarder si c'est sur les deux, les trois, ou sur un seul, etc. Donc c'est pas évident, ça peut poser des problématiques de sécurité aussi, parce qu'ils doivent avoir les droits suffisants pour voir les logs, etc. Donc on va essayer de rationaliser un petit peu tout ça. Donc là, d'un coup, vous voyez toute la chaîne, mais l'idée, c'est qu'au départ, on a donc des données brutes. On va tenter de centraliser, au travers donc, de cette petite roue-là, d'un processus qui va aussi mâcher la donnée pour aller la normaliser, aller extraire de l'information, aller la préparer, pour ensuite la transférer dans une base de données, qui va la rendre, qui va la centraliser et la rendre disponible. Et enfin, on va passer sur un outil de consultation, qu'on va configurer et qui va nous permettre vraiment de visualiser tout ça, soit à un instant T pour voir l'état du système, soit d'aller fouiller, rechercher en cas de besoin. C'est un objectif assez ambitieux, ça couvre c'est une chaîne qui est assez longue et qui potentiellement peut être compliquée, mais ce que je veux vous montrer là, c'est que la suite ELK, elle propose de partir de ces logs et de ces sources de données hétérogènes, et d'aller jusqu'à des tableaux de bord de suivi et de recherche et d'analyse. La suite ELK, donc ELK, c'est Elasticsearch, Logstash, Kibana. C'est les trois composants principaux de cette suite. Il y a d'autres éléments complémentaires, j'en évoquerai quelques-uns. Et ce que je vous propose, c'est de reprendre donc sur cet enchaînement depuis les données jusqu'au tableau de bord et de regarder ce que chaque élément va nous apporter. Le premier, Logstash, c'est donc ce qu'on appelle un ETL. C'est un acronyme un peu générique. C'est un système qui va permettre de faire de l'extraction, de la transformation et du chargement de données. Donc Logstash, on va le configurer avec des points d'entrée, le pseudo-configuration là, d'exemple que j'ai indiqué. Là, il va ouvrir deux ports, dont un en UDP par exemple, et ces deux ports-là vont être écoutés par des sous-programmes de Logstash qui vont s'attendre à trouver, par exemple, un format de log d'entrée, dans le cas de Jelf, ou sinon, avec Bits, ça va être un autre format d'arrivée. Mais donc, on a des points d'entrée dans notre système. La partie transformation, elle va être, en fait, on appelle ça un pipeline, un ensemble, une succession d'événements, avec des filtres qui vont être appliqués à ces éléments de données de manière conditionnelle, en fonction, par exemple, si c'est des logs Apache, ou si c'est des logs d'une base de données ou autre. Et on va, par exemple, aller faire passer par des filtres d'expression régulière pour que dans les logs d'Apache, on a toutes les informations, mais de manière brute, on va aller extraire l'adresse IP, la date, quelle est la requête qui a été faite, quel user agent, le poids de la réponse, et tout ce genre de choses. On va extraire tout ça pour être capable de stocker ça de manière particulière. On va évidemment chercher à normaliser les dates pour que tous les événements qui arrivent dans notre système soient cohérents en termes de dates. Donc on va aller parser ces dates-là, et on va éventuellement modifier les champs, rajouter des champs, faire du découpage, de la fusion, voire même, par exemple, là j'ai mis un exemple avec GeoIP, quand c'est des logs HTTP, si on se connecte à une base qui connaît la localisation au moins par ville, par pays des IP, on va pouvoir attacher un nouveau champ qui va être, par exemple, la géolocalisation du client qui se connecte. Et donc, une fois qu'on a travaillé sur ces données, qu'on les a normalisées, on va pouvoir les charger
dans notre base de données principale. Et là, on va se retrouver un peu avec les mêmes outils qu'il y a à l'entrée. On va pouvoir les mettre en sortie. Donc, on va retrouver pareil du syslog, des fichiers, des bases de données ou des événements d'autres types. Et dans notre cas, et c'est le plus couramment utilisé, on va le brancher sur Elasticsearch. Et là, on voit par exemple que dans une phase de debug, on va simplement sur stdout sortir les événements pour aller les consulter. Mais là, dans ce cas-là, ça va envoyer ces documents dans Elasticsearch. Elasticsearch, c'est la base de données qui est au cœur du système. C'est une base de données qui est inspirée d'un produit qui existe déjà, enfin qui existe toujours et qui s'appelle Solaire, de la Fondation Apache. Mais Elasticsearch a voulu s'appuyer sur les fonctionnalités, sur l'habitude qu'on avait utilisé ce produit-là, tout en le modernisant. Donc Elasticsearch a vraiment un certain nombre de piliers fondamentaux dans sa raison d'être. C'est d'abord les performances, parce qu'il faut que ça aille très vite, que ce soit dans les phases d'indexation ou dans les phases de recherche. Elasticsearch va proposer une interface en mode HTTP. Alors historiquement, il y a eu aussi d'autres interfaces, mais elles ont été plus ou moins abandonnées parce que c'est vraiment celle qui est la plus utile. Et c'est une interface REST, donc avec laquelle on va pouvoir dialoguer de manière, on va dire, sémantique par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de faire dans les équipes de développement. Les échanges se font au format JSON. Donc le format JSON, c'est un format qui ressemble à du JavaScript et qui est à la fois lisible par des humains, mais aussi très facilement manipulable par des machines. Donc c'est un format très intéressant et facile à manipuler. Elasticsearch va aussi fonctionner très très nativement et dès le début en mode cluster et de manière distribuée. C'est justement un des points qui était un peu en souffrance du côté de Solaire, qui est venu tardivement et avec du mal sur ce point-là. Là, au contraire, pour Elasticsearch, c'est vraiment natif. C'est très 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 bien géré. Et enfin, c'est du coup un produit qui est simple à aborder, qui est très souple et qui en même temps, maintenant, est vraiment robuste, une certaine maturité. C'est pas un produit qui est sorti la semaine dernière. Il y a eu plusieurs releases majeures. Pendant une période, c'était un produit qui évoluait très très vite. Et là, maintenant, ça s'est fortement stabilisé. Les mauvais choix du départ ont été revus, modifiés, etc. Un des principes d'Elasticsearch, c'est d'indexer les documents. Donc là, Elasticsearch, on va prendre des documents qui sont éventuellement structurés ou pas, qui vont être éventuellement cohérents, très cohérents entre eux ou pas. Là, c'est le choix, on va dire, l'équipe qui le met en place, si on veut appliquer des règles très strictes ou pas. Mais Elasticsearch va être capable de faire des inférences sur les structures qui lui sont données pour aller déterminer s'il faut optimiser tel champ en numérique ou si c'est forcément des chaînes de caractères. S'il doit reconstruire une arborescence interne ou pas, il va être capable de manipuler tout ça. On peut évidemment l'aider pour optimiser en termes de performance, mais il va savoir très très bien s'en sortir. Et donc ces documents-là vont aller dans la base de données, et en fait dans les bases de données. Parce que le principe, c'est d'utiliser des index. C'est un peu comme quand on installe MySQL, on peut avoir plusieurs bases de données, et au sein d'une base de données, on peut avoir plusieurs tables. Là, vraiment, c'est un concept qui est un petit peu différent, mais dans une instance d'Elasticsearch, on peut créer, utiliser un nombre quasi infini d'index. Chaque index est sa propre base de données. Et on va y mettre nos documents dedans et on va pouvoir du coup les manipuler de manière cohérente. Et par exemple, si je veux stocker des logs HTTP, on peut s'imaginer que je vais nommer mon index log HTTP et je vais y mettre dedans, en ayant préparé un mapping pour les bonnes optimisations des champs, etc. Par exemple, on peut dire que tel champ n'est non pas une chaîne de caractères, mais un champ de type adresse IP. Et du coup, on pourra faire des traitements spécifiques, par exemple avec des masques, lors des recherches sur l'adresse IP. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sur les index. Sauf que là, on parle de log. Les logs, par essence, c'est une source, c'est un flux qui est infini. Il y en a quand on allume le système, et puis tant qu'on n'arrête pas le système, il y a des logs qui arrivent. Donc tout administrateur de base de données va avoir une petite alerte qui va se dire, là, attention, comment est-ce qu'on fait pour gérer la croissance? Comment est-ce qu'on fait pour gérer le volume? Il peut y avoir quelques logs par jour ou des milliers de logs par seconde, ça ne va pas s'arrêter. Donc, il faut se demander comment est-ce qu'on peut gérer ça. Alors, on va essayer de le gérer en général par sharding. C'est le découpage.
Sauf que historiquement, dans les bases de données traditionnelles, le découpage au sein d'une même base, d'une même table, enfin notamment d'une même table, c'est pas évident. Parce que si on veut pouvoir requêter l'ensemble des données tout en ayant les choses découpées, historiquement, en tout cas dans mon expérience, c'est assez mal géré. Elasticsearch, en revanche, va proposer quelque chose d'assez intéressant, c'est que on va plutôt nommer nos logs. Vous auriez dû voir une progression là, mais c'est pas grave. On va nommer nos logs avec une date, c'est-à-dire que nos logs, pardon, nos index. Donc là, on va avoir par exemple log HTTP du 10 octobre 2016. Et puis, à partir de minuit et une seconde le lendemain, ben finalement, l'émetteur du log au moment du stockage, logstash par exemple, va rediriger ça sur un nouvel index pour le 11 octobre. Et Elasticsearch va automatiquement créer un nouvel index. On va pouvoir lui avoir préparé une sorte de gabarit pour conserver ses réglages et ses optimisations sur les logs HTTP d'un index à l'autre. Mais ça se fait de manière complètement transparente. Et donc, on va avoir nos logs du 11, du 12, du 13, du 14, et ainsi de suite. Et en ayant du coup des index individuels, tout en ayant du coup quand même la capacité à faire une recherche globale, ce qu'on peut dire à Elasticsearch, cherche dans log-http-étoile, et là, il va chercher partout. Comme si c'était un seul index ou une seule table. Et de fait, comme on fait de la rotation de logs sur les serveurs, on va pouvoir faire de la rotation d'index. On va pouvoir dire, par exemple, avec un mécanisme qui va tourner tous les jours, on va dire archive et éventuellement supprime les logs qui sont plus de 90 jours ou un an ou peu importe. Et on va gérer du coup une politique de rétention par rapport à ça, arbitraire et sans aucun coût. Ça se passe de manière vraiment totalement triviale et transparente. Un autre bénéfice, c'est que si on sait qu'on s'intéresse aux logs des deux derniers jours, jusqu'à J-2, eh bien, lors de la requête, au lieu de dire log-http-étoile, on va lui dire de ne regarder que ces trois index-là. Et évidemment, les autres données seront complètement ignorées. Ça ira évidemment encore plus vite d'aller consulter ces logs-là. Un aspect forcément important de tout produit qu'on va installer dans notre système, c'est est-ce que son administration, sa gestion est facile ou fastidieuse. Si pour installer ELK, on installe trois paquets, notamment quand on utilise du Debian, ce qui est notre cas, mais c'est probablement le cas dans la plupart des autres distributions, trois paquets à installer. Extrêmement peu de configuration initiale. Logstash, évidemment, il faut quand même lui dire quels sont les points d'entrée, les traitements qu'on veut faire et les points de sortie. Mais pour Elasticsearch et Kibana, il n'y a absolument rien à configurer, ça marche tout de suite. Et c'est très rare qu'on ait besoin d'aller faire de la configuration, sauf pour des besoins. Un tout petit peu lorsqu'on va mettre en place un cluster, parce qu'on va démarrer une nouvelle instance qui doit avoir le même nom. On doit juste lui dire sur quelle adresse trouver ses copains. Et là, après, ils vont discuter tout seuls. Ils vont se mettre en place tout seuls pour se répartir les données. Parce qu'on va faire une requête sur un des nœuds. Éventuellement, la charge va être répartie, les données vont être réparties, les volumes vont être répartis. Et ça, ça se fait vraiment tout seul. On peut encore une fois débrayer certains automatismes pour forcer certaines choses, mais ça va nous être très utile. Ça nous est très utile pour des questions de tolérance de panne, évidemment. Ça nous est très utile pour faire de la maintenance, parce que dans un cluster avec plus de deux machines, on va être capable de faire des mises à jour roulantes, hein, avec des interruptions et des choses comme ça. Tout bon sysadmin va aussi se poser la question de la sauvegarde. Elasticsearch propose de faire des sauvegardes par snapshot, donc des instantanées. On va préparer au départ une logique, en tout cas l'existence d'un principe de snapshot, et par une simple requête, il va créer un instantané, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et comme pour la question des logs avec la rotation ou la question des index, on va pouvoir dire qu'on efface, on va appliquer notre politique de rétention. Par exemple, sur les 24 dernières heures, on sauvegarde toutes les heures, puis ensuite c'est les 7 derniers jours, puis ensuite les 3 derniers dimanches, et enfin le premier jour de chaque mois sur 10 ans. Enfin, voilà. Et ça va se gérer aisément. On peut gérer plusieurs destinations de sauvegarde si on a des choses déportées, etc. Donc Elasticsearch, on a dit stock des documents, donc là, après la question, ça va être comment est-ce qu'on les récupère, comment est-ce qu'on interroge cette base de données pour avoir les éléments qui nous importent. Donc là, peu importe le détail de la requête, mais on voit bien que c'est quand même relativement simple. C'est très très différent d'SQL, par contre. C'est un langage qui est très différent, mais on va lui donner nos critères et nos filtres. Et on va récupérer en échange une réponse qui va contenir des informations sur la requête et sur la réponse elle-même,
des données sur les résultats, combien il y en a, qui ont été récupérés, et puis les documents eux-mêmes. Et là, on a bien un document en format JSON, hein, pour ceux à qui ça parle, on va pouvoir facilement manipuler, par exemple directement en JavaScript, ou dans les langages comme du PHP, du Ruby, très aisément avec une bibliothèque d'abstraction du JSON. Mais ce n'est pas tout, en plus des documents, on va pouvoir demander à Elasticsearch de nous fournir des agrégations. Les agrégations, ben là par exemple, on pourrait les avoir en même temps que les documents. Là par contre, avec size 0, je vais demander à Elasticsearch de ne pas me donner les documents qui correspondent, simplement de me donner des agrégats. Et les agrégats, là par exemple, je lui demande, sur une base de données avec des produits, de faire des agrégations par couleur. Et pour chaque couleur, je veux savoir le prix moyen des produits qui sont concernés par cette couleur-là. Et la réponse, elle est hiérarchique et structurée, mais on voit qu'on a trois ensembles, les rouges, les bleus, les verts. Il y a 4 documents chez les rouges, en moyenne 325 dollars, on va dire, ou euros, et là, on a les autres. Et là, donc, on voit un système avec 2 agrégations imbriquées, on pourrait en avoir beaucoup plus en profondeur d'imbrication et beaucoup plus à l'horizontale, et du coup, construire en une seule requête beaucoup d'éléments de visualisation sur un ensemble de données. C'est ce qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle de la recherche à facettes, quelque chose qui est très fréquent sur des sites de e-commerce. Donc là, vous voyez la progression logique, mais je suis sur un site de e-commerce où j'ai cherché tablette, et il va me proposer, là par exemple, tout un ensemble de tablettes, admettons il y en a 10 000, mais je vois que je peux restreindre ma recherche à uniquement celles qui sont jusqu'à 15 gigas, ou uniquement celles qui sont en 3G, ou uniquement celles qui sont rouges. Et je sais d'avance que si là je clique sur jusqu'à 15 gigas, je n'aurai plus que 1159 ou 150 documents obtenus. Donc ça m'aide à savoir d'avance ce que je vais avoir. Et si je choisis ça, je refais mes facettes, je vais avoir comme ça cette progression qui va me permettre de savoir d'avance ce qu'il y a. Et ça, si c'est sur 2 ou 3 critères, on peut imaginer le faire avec du SQL, hein, on va faire des agrégations très très simples hein, pour le coup. Sauf que si on a des dizaines ou des centaines de critères, c'est ingérable. Alors, j'ai essayé de le faire concrètement sur des volumes importants, c'est ingérable. Alors que pour Elasticsearch, c'est des poignées de millisecondes, et en une requête, on obtient tout. Et les documents, et les agrégations. C'est extrêmement bluffant et très très pratique. Je passe à Kibana. C'est l'élément qui est en bout de chaîne, en tout cas en bout de chaîne technique. Kibana, c'est une interface web. C'est une interface graphique qui tourne dans notre navigateur, donc c'est facile à utiliser, il y a rien à installer sur le poste de l'utilisateur. Kibana va surexploiter, on va dire, enfin, se base énormément sur les agrégations. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ne ramène pas les documents eux-mêmes. Finalement, là, quand on regarde un tableau, on n'a pas besoin de voir les lignes de données de base, on veut voir juste les ensembles, les agrégats. Et avec ces agrégations, donc à base de très très peu de requêtes, finalement, on va être capable de construire des tableaux de bord de visualisation de nos données pour vérifier la courbe du trafic, la répartition par serveur, ou l'état du stock, ou des choses comme ça. Et Kibana, c'est aussi une interface interactive qu'on va pouvoir utiliser pour faire de la fouille de données. C'est-à-dire qu'on va construire des visualisations, où on va regrouper plusieurs visualisations au sein d'un même tableau de bord, et là, on va se rendre compte que si on clique sur un certain critère, sur un certain graphe, on va activer un nouveau filtre, et ce filtre va impacter tous les autres. On va pouvoir aussi, par exemple, si on regarde donc des événements temporels, restreindre à la fenêtre de temps les données qu'on veut afficher, sur lesquelles on veut faire les agrégations. Et donc, si je restreins pour un des graphiques, ça va évidemment l'appliquer à tous. C'est très interactif, c'est très utile. Ça, c'est un exemple, en plus sur l'interface qui va sortir très bientôt, la nouvelle version de Kibana, mais c'est un exemple de dashboard, de tableau de bord, pour des logs HTTP, hein, donc on est vraiment par rapport à ce que je disais, on est sur une vue sur 2 ans, on voit que d'un coup d'œil, on a eu à peu près 320 000 visiteurs, à peu près 30 000 visiteurs uniques, ça a généré 2 gigas de trafic, et on va avoir ensuite des graphiques, donc là par exemple, on a un camembert, ou on appelle ça un donut quand il y a un trou au milieu, ou un bagel, mais c'est la répartition des codes réponses HTTP. On va voir tout à gauche un élément aussi intéressant, c'est un histogramme temporel qui va être subdivisé verticalement pour avoir des sous-parties. Je vais y revenir. On peut avoir évidemment des courbes, on peut avoir
des vues statistiques, mais on peut aussi, quand on a des données géolocalisées, je disais tout à l'heure par rapport à GeoIP, on peut construire des cartes. Là, on a juste dit, affiche-moi sur une carte, mes logs HTTP, voilà, il fait tout seul. Là, c'est dans le contexte de notre client, de Xeonis, c'est des vrais logs sur, sur un des frontaux à Chaproxy. Donc là, en un coup d'œil, on voit le profil du trafic, c'est probablement sur 2 heures de temps. Donc chaque bûchette verticale, c'est 5 minutes. Donc c'est une agrégation sur 5 minutes. Donc si on repense à la requête de tout à l'heure sur les agrégations, où on avait 3 couleurs, ben là, on en aurait x fois 5 minutes jusqu'à avoir nos 2 heures, qui sont des éléments de données comme ça. Et à l'intérieur de chaque bûchette, on voit la subdivision par code HTTP. Évidemment, et heureusement, on a le code 200 qui est le plus répandu, mais on a aussi pas mal de 304. Ça, c'est pas mal aussi, ça veut dire qu'il y a des requêtes qui ne nécessitent pas la récupération, encore une fois, des ressources. Mais si on a une élévation du taux d'erreur 500 ou 404 ou autre, on va tout de suite le voir en couleur et on va peut-être aller interroger tout de suite les développeurs pourquoi est-ce qu'on a un problème, etc. À droite, on voit une autre forme de répartition qui ressemble un petit peu, mais on est sur un outil multi-application, multi-stack par exemple. Et bien là, on va avoir la répartition en fonction des différentes applications, mais toujours avec cette vue de l'ensemble. Un autre type de graphe, là, j'ai été un petit peu plus loin sur le bagel. Là, on voit un truc intéressant. Imaginez que le cercle intérieur, c'est les navigateurs utilisés pour se connecter, mais au sens des familles de navigateurs, Chrome, Firefox, Safari, etc. Et l'extérieur, c'est la subdivision à l'intérieur d'une famille des grandes versions. Version 10, version 11, version 50, version 72. Et comme ça, on peut voir le niveau de précision qui nous intéresse en fonction du moment. Et là, concrètement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'interactivité, si avec ma petite souris, je viens et que je clique sur Chrome, là-dessus, sur la famille Chrome, ça me remettra à jour tout mon tableau de bord, uniquement, et je ne verrai plus que ce qui correspond à des requêtes qui viennent de navigateur Chrome. Les statisticiens et les matheux vont apprécier aussi de trouver des tas de formules mathématiques, comme là, comme les médians, les standards, les écarts standards, les écarts types, etc. Donc là, par exemple, on peut imaginer que c'est une courbe de temps de réponse d'une application web, 150 millisecondes pour la moitié, 50% des gens, 75% vont être, admettons, 200 millisecondes, mais on voit, par exemple, qu'on a de temps en temps des pics pour le 95 percentile. Donc on va voir ici, par exemple, que la plupart des gens n'a pas été impacté, n'a pas eu de problème ici. Par contre, il y a quand même quelques pourcents de nos utilisateurs qui ont eu un vrai problème. Et donc là, on va peut-être décider sur notre tableau de bord de restreindre à cette zone-là et de regarder s'il y a un changement du profil source, par exemple, est-ce qu'il y a plus de navigateurs mobiles ou est-ce que c'est un certain navigateur ou en provenance d'un certain pays où on a une élévation qui pourrait expliquer ce problème. Et avec toutes ces données hétérogènes, on va se poser la question de la corrélation. Donc, comment est-ce qu'on arrive à mettre ensemble des données qui viennent de bases de données ou de proxy ou d'applications? Et donc là, c'est le travail qu'on va devoir faire en amont et dans l'hostage, c'est d'identifier des champs, des critères qui vont être communs. Évidemment, on va avoir le champ de date qui est absolument indispensable pour pouvoir mettre tout ça ensemble. Mais par exemple, pour tout ce qui touche à du HTTP, on va pouvoir retrouver l'URL et le type de requête. Pour tout ce qui va être applicatif, on va voir éventuellement l'environnement, parce que c'est la plateforme de dev, de prod, toutes les plateformes confondues. On va pouvoir le faire sur le serveur, l'hyperviseur, le routeur, etc. Enfin, donc on va comme ça identifier des éléments communs sur lesquels on pourra faire notre corrélation dans les tableaux de bord. Et tout ça, donc on va le stocker dans des index dédiés, qui va nous permettre d'optimiser la manière dont on va stocker notre information. Par exemple, on va mettre tout ce qui concerne HTTP, non pas dans un, mais dans deux, parce que les erreurs, si on connaît un petit peu comment ça se passe dans les logs de la page, par exemple, les logs d'erreur et les logs de succès ne sont pas les mêmes, ne sont pas structurés pareil. Donc on va les séparer, et on va mettre tout ça dans des index dédiés. Pour la collecte, donc là je remonte un petit peu, pour la collecte, bah, par exemple, Xeonis utilise du PHP avec un framework qui s'appelle Symfony, et là-dedans, on peut utiliser une bibliothèque qui s'appelle Jeff, et qui en fait va permettre extrêmement facilement, depuis le code PHP, d'aller y mettre directement sur un point de collecte, notre logstash en l'occurrence, directement des logs, correctement formatés, avec nos champs personnalisés, etc. Pour nos logs bruts qui sont par fichier, on va s'appuyer sur FileBit, qui est un petit logiciel qui est dans la suite ELK, pour aller lire ces logs,
garder uniquement les dernières valeurs, supporter les rotations de logs sans que ça mette la pagaille dans tout ça. Et c'est pareil, Filebit va envoyer ces données à Logstash. Deux mots sur Bit, en fait, parce que c'est donc une famille de petits outils qui s'appuie sur une bibliothèque qui s'appelle, en Go, qui s'appelle Bitbit, qui nous permet de coder des choses personnalisées, mais il y a aussi des outils qui sont déjà tout faits pour ça. Le premier, c'est Filebit, donc il va se concentrer sur les fichiers. On a MetricBit qui va faire un peu ce que fait Munin, c'est-à-dire aller regarder la charge CPU, quel process prend quelle quantité de mémoire, l'état d'occupation des disques, etc. Ça va permettre de centraliser tout ça. On a aussi PacketBit qui est plus focalisé sur le comportement réseau. Et il y en a des tas d'autres qui sont communautaires qu'on peut utiliser et télécharger très facilement. L'avantage de ça, c'est que, comme c'est du Go, il n'y a pas de dépendance. C'est juste avec juste à l'UC, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et ça se déporte très facilement sur les serveurs. C'est ce qu'on a fait avec Xeonis, il était hors de question qu'elle émette du Logstash sur chaque conteneur ou chaque guerre. Voilà. Donc j'ai beaucoup parlé là des données systèmes, mais les données métiers. Alors les données métiers, c'est celles que aucun élément extérieur à votre entreprise, à votre projet, ne peut décider à votre place. Et donc une fois qu'on aura fait cette démarche sur les données systèmes, on va se rendre compte que finalement c'est très facile d'aller ponctionner des éléments importants dans nos bases de données, dans nos logs ou dans nos applications, ou même dans des systèmes externes, et d'aller les injecter dans Logstash, et d'aller les ajouter à notre système, et du coup, pouvoir trouver des nouvelles visualisations et les corréler. Par exemple, si on met l'état de notre stock ou si on met les événements de commande, eh bien, on va pouvoir, par exemple, se rendre compte qu'il y a une élévation du trafic, admettons, en soirée, mais c'est aussi une élévation des commandes. Donc, c'est pertinent et c'est utile. Par exemple, dans un contexte précédent, je me suis posé la question de savoir, dans un contexte touristique en ligne, est-ce qu'il y a un rapport entre le délai de réservation, c'est-à-dire le délai d'anticipation d'une réservation pour un hôtel, par exemple, avec la propension à annuler. Ouais, c'est pas évident de faire une corrélation avec ça, et donc du coup, on va pouvoir faire des recherches comme ça. Donc moi, je vois donc effectivement au moins deux profils d'utilisation. Je me suis un peu mélangé quand on parlait là, mais c'est un, c'est chercher les causes. Quand on a une équipe de support qui nous signale que des clients râlent que le système est lent ou qu'il marche mal, qui n'en dit pas plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir nos interfaces Kibana et on va partir à la recherche. On va regarder, par exemple, est-ce qu'il y a une élévation du trafic qui pourrait justifier une forme de saturation? Ou est-ce qu'au contraire, on a un effondrement du trafic qui pourrait expliquer qu'on a un problème réseau, un problème d'accès? Est-ce que ça concerne toutes les applications ou une en particulier? Est-ce que ça concerne tous les serveurs ou un en particulier? Et comme ça, progressivement, on va affiner notre recherche pour aller jusqu'aux logs détaillés qui vont peut-être mettre en évidence une erreur dans le code PHP qui vient d'être déployé et du coup aller corriger tout. L'autre profil d'utilisation, c'est de valider des hypothèses. Donc là, on est plus presque dans l'intelligence métier, c'est de se poser des questions et de se dire est-ce que les données nous permettent de vérifier ou pas cette hypothèse. Par exemple, est-ce que ma plateforme allemande transforme mieux que ma plateforme française? Alors, on va du coup utiliser des visualisations existantes ou bien construire ad hoc les mêmes graphes pour l'Allemagne et les mêmes graphes pour la France et regarder, bah, par exemple, si ça se vérifie ou pas et éventuellement après trouver les causes. Et on revient sur l'élément là. Elasticsearch depuis plus longtemps, mais c'est vrai, la suite ELK, d'une manière générale, est en très forte croissance de popularité. Ça intéresse de plus en plus de monde, de plus en plus d'équipes le mettent en œuvre dans leur infrastructure. La société dans laquelle je travaillais jusqu'à il y a quelques mois de ça, on faisait du tourisme en ligne, et pendant plusieurs années, on a utilisé ça, on a apprécié ça, on a beaucoup utilisé, et on n'a jamais été déçu. Et toujours pas blasé, parce que je découvre encore aujourd'hui des choses très nouvelles et très intéressantes. Et depuis quelques mois, donc, je fais partie de l'équipe d'Evolis, qui se moque de moi quand j'amène mon Mac, mais on fait donc, de l'hébergement et de l'infogérance en open source. Et ça m'apporte
une vision nouvelle qui est celle de la vision du sysadmin, alors que j'étais plutôt dans une situation de développeur. Ça m'apporte aussi le point de vue du conseil. On a de plus en plus de clients qui nous demandent au minimum d'installer ces choses-là dans leur infrastructure quand ils savent déjà l'utiliser, ou au mieux, et c'est le cas de Zoomis, de les accompagner. De les accompagner dans la mise en œuvre, de les accompagner dans la mise en place de ces tableaux de bord, de les accompagner dans tout ça. Voilà. C'est notable, vraiment, cette croissance. Sauf qu'il faut quand même, effectivement, adopter prudemment ces choses-là, et on s'est déjà un petit peu brûlé les doigts sur des projets qui étaient prometteurs et qui ont mal viré. Là, moi, ça fait plusieurs années maintenant que je suis intéressé par cet environnement-là. J'ai donc pas été déçu, mais on regarde, par exemple, des choses qui sont importantes pour nous, c'est par exemple le modèle de licence, le type de licence qui est utilisé. C'est du RH2. On va regarder, on va être attentif au modèle économique, parce qu'il y a donc une entreprise qui chapeaute tout ça, comme beaucoup de projets open source d'envergure. Il y a une entreprise qui chapeaute ça. Quel est son modèle économique? Est-ce qu'il est sain ou pas? Comment fonctionne la gouvernance du projet? Est-ce qu'il y a un décideur unique et puis tout le monde subit? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Quelle est la place de la communauté? Est-ce qu'il y a une communauté? Comment les traiter? Est-ce qu'elle participe, etc. Et donc pour nous, encore aujourd'hui, on va dire que ces indicateurs sont ouverts. En particulier parce que la dimension open source s'est préservée. Les projets Logstash et Kibana étaient des projets externes, communautaires, complètement indépendants d'Elasticsearch au départ. Sauf qu'il y avait une tellement forte cohérence dans tout ça, que donc l'entreprise qui s'appelle Elastic, Chapeau-Sam, a embauché les mainteneurs de ces projets-là. Ils y sont toujours, ils sont toujours dans la gouvernance de ces projets-là, et les projets continuent d'évoluer. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de pérenniser cette dimension-là. Et c'est la même chose pour Lucene. Je ne suis pas beaucoup étendu sur Lucene, mais Lucene, c'est donc un projet de la Fondation Apache, et qui est vraiment la brique de base qu'il y a dans les index d'Elasticsearch. Et sans Lucene, Elasticsearch ne peut pas exister, en tout cas pas tel quel. Et donc il y a plusieurs personnes chez Elastic qui sont salariées à plein temps pour contribuer de manière complètement ouverte à Lucene. Et à Lucene, pour Lucene, dans un objectif de réutilisation après, et c'est pas on code un fork en interne et éventuellement un jour on contribue, on renvoie le reste sur les versions en ligne. Voilà. Le modèle économique, il est assez classique, mais à mon sens il est assez sain. Il y a toute une partie qui est complètement libre et gratuite. Elasticsearch, Logstash, Kibana, Bit, Curator qui est un autre élément, il y en a quelques autres, sont des produits qui sont complètement autonomes. Il n'y a pas un pouls communautaire, et puis on déverrouille des fonctionnalités où on a des limites si on ne paye pas. C'est vraiment, ces projets-là sont complètement libres, etc. Par contre, à côté de ça, l'entreprise a proposé des services, bon, je ne vais pas faire l'article détaillé de tout ça, c'est pas mon boulot, mais font de la formation, de l'assistance, du conseil, et il y a aussi des bouts de logiciels complémentaires qui sont utiles ou pas, mais qui eux sont effectivement payants, mais voilà, des choses complémentaires, qui augmentent l'intérêt de la suite, mais qui ne sont pas du tout indispensables. Pardon ? Alors, non, ça fonctionne sous licence, alors en fait, le code source, pour la plupart, est lisible, mais dans la pratique, il y a une licence qui conditionne l'exploitation, donc en fait, c'est surtout qu'on doit payer, et que je ne pense pas que légalement, puisse le modifier, on ne peut certainement pas le modifier. Oui, ça pourrait être libre et payant. Je ne saurais pas me prononcer exactement sur la frontière entre ces aspects. En tout cas, au minimum, c'est payant. Voilà. Et puis, ils proposent également des solutions d'hébergement, soit en SaaS chez eux, soit en hébergé chez vous, comme on le souhaite. Donc, voilà. La conclusion, je pense que mon enthousiasme sur ce sujet-là se ressent. Nous, on trouve que c'est extrêmement utile. Ça apporte vraiment ses fruits. C'est un produit qui offre un spectre de cas d'utilisation très large. J'en ai couvert un là, qui est la collecte de logs et le sens qu'on peut donner à ces logs-là. Je l'ai utilisé pour des questions d'indexation de documents, plutôt en mode recherche, full texte, etc. Je l'ai surtout utilisé pour des très gros volumes d'entrées-sorties éphémères, dans des cas avant. Et il y a des tas d'autres cas d'utilisation. Voilà. Le fait est que dans le titre de ma présentation, il y a des big data. Personne ne m'a bagué encore sur le fait que je n'en ai pas parlé. D'abord, je ne suis pas trop un grand fan de big data. Qui pourrait me définir ce que c'est que big data? Parce qu'il y a 2-3 volontaires pour avoir 2-3 définitions différentes. Non, personne? Bon. Pour moi, big data, c'est quand ça ne tient plus dans mon tableau. À partir de là, c'est de la grosse donnée. Voilà. Et en fait,
En fait, c'est pas important parce que Elasticsearch est pertinent, enfin la suite Elkar est pertinent pour des tout petits volumes de données et reste pertinent jusqu'à des centaines de nœuds Elasticsearch dans un cluster avec des instances de blockstash qui sont réparties un peu partout sur la planète. Voilà, c'est pareil. Et notamment en termes de performance, on peut aller très 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 loin. Ceux qui utilisent GitHub, par exemple, toute la recherche de code de GitHub utilise Elasticsearch. Voilà. Wikipédia maintenant utilise Elasticsearch, etc. Donc voilà. Big Data, je vous le laisse là, c'est gratuit, mais voilà. Pour ceux qui ne me connaissent donc pas forcément tous, je m'appelle Jérémy Lecourt, je travaille donc chez Elis. Je ne sortirai plus du sitôt où on parle sur un projecteur que je ne connais pas. J'ai beaucoup parlé de ça, si vous avez des questions, si on attend des questions, allez-y, sinon après, pour ceux qui préfèrent en plus petit comité. Voilà. Oui. Question sur Kibana, spécifiquement, est-ce qu'on peut l'utiliser en dehors du produit Elka et... Absolument, parce que en fait. Alors, je ne sais pas avec certitude. Je sais qu'Ibana fonctionne aussi avec d'autres produits qui stockent, qui sont plus optimisés pour faire de la, ce qu'on appelle des time series, donc d'autres types de bases de données. Mais je ne sais pas à quel point c'est utilisable vraiment. Je l'ai pas fait. En tout cas, je l'ai utilisé beaucoup, avec juste des LSSR qui n'est pas forcément une box à charme. Donc, je ne sais pas bien en fait. Ouais. Vous avez montré le GVLK avec un outil en tant que tel qui permet de faire des choses. C'est même dans les codes, jusqu'à la version de contact, par exemple, l'accès à Kibana et par le mot de passe, c'est à travers une ouais. Est-ce que dans la version 5 que vous avez présentée, il y a un point sur le de métier qui permettrait de dire que, par exemple, on a un accès par profil parce que le oui et non. Ouais. Oui, non. En fait, donc la question c'est est-ce qu'il y a une couche de sécurité, éventuellement une couche d'ACL autour de Kibana ? Ouais, en fait, c'est même juste. Voire même des profils, etc. Voilà, juste le sujet, c'est se dire, par exemple, par rapport à ce que j'ai déjà entendu, c'est de parler des codes HTTP de programme de 500, plutôt d'être en réaction, est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse faire du monitoring et paramétrer en disant si ça, si les codes HTTP. 500 sur les ingénieurs, soit on arrive à intégrer une API, quelque chose qui va là dans un API qu'on a déjà vu. Oui, bah donc trois questions. Ouais. J'ai apporté trois réponses. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. La première question, c'est est-ce qu'il y a des préoccupations sur la sécurité ou sur les ACL d'accès ? Par défaut, non, et c'est pas spécialement lié à la version actuelle ou la version 5 qui va sortir très bientôt. Par contre, il y a Elastic propose un plugin qui fait partie de sa suite de plugins payants qui s'appelle Shield et qui fait ça. Nous, ce qu'on fait effectivement, c'est qu'on le met en proxy derrière Nginx avec des autorisations classiques HTTP et ça donne accès à tout ou à rien. On peut bidouiller des choses au niveau des URL pour donner des accès à certaines parties. Ça reste quand même sur plus du pratique que de la vraie sécurité. Mais jusque-là, effectivement, cette dimension-là, elle était considérée comme à gérer au niveau métier et pas à gérer à ce niveau-là. Sauf que maintenant, il y a effectivement un produit pour ça. La deuxième question, c'était est-ce qu'on peut faire de la gestion d'alerte, du monitoring sur la base de ça ? Même réponse, il y a parmi les plugins payants, des choses qui le font de manière packagée, tout gérée, clic, bouton, etc. Mais après, rien de toute façon n'empêche un développeur de programmer des alertes, parce que, vous l'avez vu tout à l'heure, on interroge Elasticsearch avec du curl, et donc rien n'empêche de faire des petits scripts crons qui vont aller faire des requêtes un peu clés, un petit peu comme on peut le faire avec du Nagios pour aller interroger les ressources d'un serveur sur le disque, sur ceci ou sur cela. On va faire la même chose et on va lever des alertes. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment packagé, complet, etc., ça existe, mais dans la partie payante. Voilà. La troisième question, alors, rappelle-moi. Moi, ce qu'il faudrait, c'est que je développe mon back-office de mon côté, et pour faire le management que me demande mon client dans son espace à vue
d'activité. Le reporting. Le voir à travers une API, par exemple. Oui. Récupérer le graphique Kibana. Alors, Kibana évolue, effectivement, et va beaucoup évoluer dans la version 5 jusqu'à être capable d'exporter, effectivement, des choses statiques. Et je crois bien que c'est dans la version complètement open, mais il faudrait que je le vérifie. Il y a des fonctionnalités de reporting pour envoyer des PDF formatés avec le dashboard sur des périodes de temps, etc. Je sais que ça sort. Il faudrait juste voir de quel côté de la licence ça tombe, est-ce que c'est dans la partie open. Je crois vraiment que c'est dans la partie open source pour le coup, cette partie-là. Voilà. Oui. Côté big data, entre guillemets, mais info mining. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'imagine qu'on peut faire plein de choses avec Elasticsearch et peut-être Kibana aussi. Mais dans la valorisation d'informations, plein de textes, par exemple. Vous êtes tout un tas de trucs dans la base. Oui. Est-ce que ça se fait facilement? Est-ce qu'il faut développer des choses particulières? Est-ce qu'il y a des idées là pour ça? Donc, je reformule la question, c'est est-ce qu'il y a des capacités de recherche full texte dans ces outils-là? Alors, Kibana ne va rien apporter de particulier là-dessus. Par contre, Elasticsearch, oui, c'est une de ses essences, un de ses principes de départ, c'est de pouvoir faire de la recherche sous texte. Donc, on peut, si on va pousser dans des champs, par exemple, des gros volumes de texte, on va pouvoir dire à Elasticsearch qu'il doit l'analyser. Par exemple, il va savoir que c'est du français et il va découper les mots, il va créer ses index pour faciliter la recherche ensuite. Par exemple, en ignorant les accents, en tenant compte des pluriels, la conjugaison des verbes, des histoires de noms propres, etc. Donc là, tout ce que éventuellement on connaît sur Solaire, on va le retrouver, et encore plus avec ça. On n'a pas besoin de développer des choses particulières, on exploite simplement les capacités d'indexation d'Elasticsearch en amont, et puis après, il faut utiliser le langage de requête classique. C'est fini, c'est ça? Ok. Merci. Si vous voulez continuer, voilà.